Thomas Bouda, le sprinteur girondin de l'équipe Arkéa-Samsic, est comme l'ensemble de ses collègues cyclistes professionnels, réduit à attendre la fin du confinement pour retrouver la compétition. Entre deux mers, Web TV lui a demandé de faire le point au bout d'une pause sportive de plusieurs semaines. Eh ben, ça va très bien, merci. Le temps commence à être long, mais la santé est là et mes proches aussi, donc c'est le principal. Comment se passe ton confinement ? Il se passe bien, ça pourrait être pire. J'ai un jardin pour pouvoir m'occuper, j'avais des choses à bricoler chez moi aussi. En plus de ça, j'ai un entraîneur et plus des accessoires pour la musculation, donc j'arrive à m'occuper et pour le moment, je trouve pas trop le temps long. Comment tu maintiens ta forme physique ? Je suis confiné chez moi à Gradignan. Je maintiens ma forme physique en faisant déjà de l'entraîneur pas mal et ensuite de la musculation 2 à 3 fois par semaine pour essayer de compléter un petit peu parce que le fait de ne pas pouvoir aller sur route et de faire des grandes sorties, on perd forcément un petit peu en qualité musculaire et la musculation permet d'entretenir ça. Quelles sont tes perspectives sportives pour l'année 2020 et le programme de ton équipe ? Pour le moment, on n'a pas trop de perspectives. On ne sait pas quand la saison va pouvoir reprendre, si on va réussir à se débarrasser de ce virus. Je m'entraîne pour maintenir une forme correcte. Je suis loin d'être à mon top niveau. Quand on aura la confirmation via les instances qui s'occupent d'organiser les courses, que la saison reprendra, on aura encore le temps de pouvoir se préparer et d'arriver en forme pour ces objectifs-là. Donc pour le moment, c'est plus du maintien de la forme que vraiment de la préparation. Les objectifs se décideront une fois qu'on aura un calendrier établi réellement et qu'on aura l'assurance de pouvoir courir cette année.